Ça va? Oh, j'ai passé toute la matinée à arrêter des casseurs. Toute la matinée? Bah vas-y, hein, fais ce que je fais, on en reparle. Non, merci, ça va aller, je vais te laisser gérer. Petite nature, quoi. Bon, t'as prévu quoi pour aujourd'hui? Faut que je passe voir Oliver, je l'ai pas encore remercié de t'avoir protégé. C'est tout? Non, après je vais voir mon père. Je vais le voir au moins une fois par semaine. T'as l'air proche de lui. Ça l'a pas toujours été. Disons qu'on essayait de recoller les morceaux. Qui est-ce? C'est le médecin. Elle veut que je passe. Ah. Donne-lui ça. Il faut absolument qu'elle le détruise. Certaines de ses pièces valent des millions. T'es pas sérieuse? Si. Je ne veux plus jamais retourner dans mon monde. Il faut absolument qu'elle le détruise. Y'a quelqu'un? Du parfum. Personne ne saura de toute façon. Ah putain la vache, c'est schlingue! Ah! Oh! Ah, c'est dégueulasse ce parfum! Oh, l'odeur est partie. Je vais pouvoir voir Oliver. Salut Oliver. Salut. J'ai pas eu le temps de te remercier pour la dernière fois. Me remercier pourquoi? Quand tu avais protégé Emily. De rien, mais faut pas que ça devienne une habitude. Tu changeras jamais. Oliver, ça va? T'es sûr que ça va? Tu fais quoi là? Tu sens tellement bon. Quoi? Trop de sensualité. Qu'est-ce qui t'arrive? Embrasse-moi. On va se calmer. Il est temps que j'y aille. Oui, bon, il est vraiment temps que j'y aille, hein? Ok? Reviens vite, Boblon. Ok. Papa? Non, il n'en est pas question. Je veux revoir ma fille. Sa fille? Non, mon fils n'est pas au courant. Qu'est-ce que tu me caches, papa? Enfin, je veux juste revoir ma fille. Non, raccroche pas. Merde! Papa? Désolé, je t'avais pas entendu venir. C'était qui au téléphone? Oh, c'est pas important. Ouais, si tu le dis. Papa? Tu m'entends, ça va? Tu sais que t'es très sexy. Quoi? Laisse-moi te toucher. Quoi? Viens là. Tu fais quoi, là? Laisse-toi aller. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? C'était la pleine lune hier soir ou quoi? T'es sexy quand t'es en colère. Quelqu'un est rentré ici.
Oh non, faut que je prévienne le flou. Papa, calme-toi, s'il te plaît. J'ai envie de toi. Allô? Salut, tu peux venir me voir, s'il te plaît? J'ai besoin de te parler. Tu me sauves la vie, merci. Viens, tu passes quoi? J'ai un gros problème. Moi aussi. C'est ma création, et toi, tu te sers au calme. De toute façon, personne n'en voudra, ça a une odeur immonde. Et toi, c'est quoi ton problème? Oliver et mon père ont été plutôt étranges avec moi. Définis-moi étrange. Oliver m'a senti, il a dit que je sentais bon et mon père me trouve sexy. Quoi? Ça fonctionne! Quoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Le parfum! J'aurais dû m'en douter, c'est logique. Tout ce qui se passe, c'est à cause du parfum. Ça en a tout l'air. C'est quoi comme parfum? Je l'ai baptisé Filtre d'amour. Filtre d'amour? Tu te fous de moi? Si tu toucherais pas mes affaires, on n'en serait pas là. Quoi? C'est toi qui laisses traîner tes affaires partout? T'es insortable. Sinon, de base, tu voulais me voir pourquoi? Oh, juste un problème avec le téléphone. Quoi? T'es sérieuse? Ben, ouais. J'y crois pas. Tu vas rester planté là ou tu vas essayer de me procurer un remède? Je ne sais pas encore comment te soigner. Reviens me voir d'ici une petite heure. Ça marche. Ah ben t'es là. T'approches pas de moi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? S'il te plaît, recule. Je peux savoir ce qui t'arrive? Je comprends pas. Je comprends de quoi? Tu te sens bien? Je veux dire, tu ressens rien? T'es sûr que tu te sens bien? Je reviens. Où tu vas? Je vais voir le médecin, l'heure est presque terminée. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Je t'expliquerai, t'inquiète. Bon, par pitié, donne-moi une bonne nouvelle. Oula, là, j'en ai pas. Comment ça? Je n'ai trouvé aucun traitement en particulier. L'effet du parfum devrait se dissiper d'ici quelques heures. Eh ben, c'est pas trop tôt. Par contre, il y a autre chose. Quoi donc? Le parfum a fonctionné sur tout le monde. Sauf sur Emily. Et je sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'une seule chose. Et qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Ben, ça veut dire tout simplement qu'Emily tient beaucoup plus à toi que tu ne le crois. Comment tu te sens? Un peu gêné. Je pense qu'il est préférable pour nous deux qu'on oublie ce qui s'est passé. J'espère, parce qu'on n'est pas dans Game of Thrones. Très drôle, content de savoir que t'as pas perdu ton sens de l'humour. T'as pas d'humour, mon fiston. Ah, au fait, je t'ai entendu au téléphone tout à l'heure. Au téléphone? Oui. Je peux savoir de quoi il s'agit? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oui, bien sûr. Bon, on reparle de ça demain, parce que j'ai la nette impression d'être concerné par cette histoire. Écoute, je suis désolé pour avant. Tu avais quoi? Je suis allé chez le médecin, j'ai vu un parfum. Enfin, j'ai cru que c'était un parfum, mais en fait, c'était un filtre d'amour. Un filtre d'amour? Oui, t'as loupé Oliver et mon père en train de me draguer. C'est pas juste, je veux plus les moments intéressants. Mais avant, t'as dit que ça fonctionnait pas sur moi. Ouais, ça marchait pas sur toi. C'est bizarre quand même. D'après le médecin, c'est parce que t'as déjà des sentiments pour moi. Elle est pas mal cette blague. Bon, je vais voir s'il y a des méchants à attraper. Fais attention à toi, hein!